Donc, bonsoir et bienvenue donc, pour cette conférence sur les intelligences multiples donc, qui est organisée par Mensa Île-de-France. On vous remercie donc, de venir ici ce soir. Nous avons organisé donc, cette conférence sur les intelligences multiples pour donc, vous donner une vue un peu différente de la vue habituelle de l'intelligence. Vous savez que notre association, Mensa, a un critère de recrutement donc sur un critère d'intelligence et il nous a semblé important d'élargir le sujet à autre chose que le raisonnement logique qui est le critère aujourd'hui utilisé par les psychologues pour mesurer l'intelligence et donc le critère que Mensa reprend pour valider les admissions dans l'association. Mais il y a d'autres façons d'aborder le sujet. Il y a des formes d'intelligence qu'on ne peut pas forcément mesurer et que les psychologues aujourd'hui ont du mal à prendre en compte dans la mesure de l'intelligence. Et donc ce sujet sur les intelligences multiples va vous permettre donc de découvrir un petit peu d'autres facettes de l'intelligence. Donc nous avons demandé à quelqu'un qui a l'habitude de ce sujet de venir ici nous le présenter, donc en l'occurrence Renaud Kemelen, qui va donc vous parler des intelligences multiples et en quoi ça peut nous aider à mieux nous développer. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer la conférence, je pense qu'il est essentiel que je présente un peu qui je suis, parce que ça va vous aider à comprendre dans quelle perspective je me situe. De profil, de métier d'origine, on va dire que je suis enseignant à Bruxelles. Donc, excusez-moi si je dis 70 au lieu de 70. D'accord, je fais un effort quand j'arrive en France, mais voilà. Donc, je suis enseignant, professeur de géographie, d'histoire. À côté de ça, j'ai repris des études diverses. Sciences religieuses, gestion de brasserie, master en sciences d'éducation, en sciences du travail, et toute une série de formations pour aider des enfants qui étaient en échec scolaire, en décrochage scolaire, et puis maintenant des adultes, vu qu'en France, comme en Belgique, je pense, c'est la même problématique, c'est que quand on est au chômage, à un moment, l'État oblige à reprendre le travail, le boulot, refaire des formations, mais si on a raté, c'est qu'il y avait un problème à l'origine. Donc on s'interroge énormément sur comment apprendre autrement, comment se développer personnellement autrement, comment apporter des solutions à des personnes, quel que soit leur âge, qui sont tout à fait capables et intelligents, mais qui parfois tombent dans un système qui ne leur convient pas, ou alors dans un système qui leur convient, mais qui ne savent pas comment utiliser leurs intelligences. Et puis un jour, Howard Gardner, toujours vivant, heureusement pour nous, professeur à Harvard à l'heure actuelle, a sorti sa théorie des intelligences multiples. Alors, j'aime pas l'expression théorie, je le remplacerai bien par outil des intelligences multiples. Bon, c'est une démarche scientifique, donc c'est pour ça qu'il y a le concept de théorie derrière. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce soir, est vraiment prouvé scientifiquement. Si vous faites une petite recherche sur Internet, si ça n'a pas déjà été fait, vous verrez que suivant l'époque d'édition de ces ouvrages, mais il va parler de 5 intelligences, 7 intelligences, qu'on est à 8 et on est même à 8,5 parce qu'il est en train de valider une 9e, mais qui n'est pas entièrement validée. Donc ça, c'est un point de départ qui est quand même très intéressant. C'est pas juste une énième typologie d'intelligence. C'est quelque chose qui est prouvé et qui est lié simplement à l'étude d'une population qui avait des lésions dans certaines parties du cerveau et qui, malgré cela, avait toute une série d'aptitudes, de compétences, de capacités, employons le terme que nous voulons, qui permettaient de réaliser des tâches avec panache, avec fruit. Et donc, qui montrait sans doute qu'il y avait des talents autres et que le cerveau, c'était plein de zones et plein d'intelligence. Et donc, de là ressort la théorie des intelligences multiples. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement les 8 types d'intelligence, et puis je vais essayer de vous convaincre en quoi c'est vraiment quelque chose de formidable, personnellement, en termes de développement personnel en tant qu'adulte, en tant que parent aussi, je pense qu'on peut prendre cette posture-là, ou même en tant qu'enseignant, psychologue, logopède ou autre. Donc,
Howard Gardner et Bruno Ours, qui est le référent français des intelligences multiples, ils définissent 8 types d'intelligence. Moi, je les catégorise en 4 groupes. Les premières, qui sont les intelligences que j'appelle scolaires, sociétales, et vous les connaissez évidemment, donc je ne vais pas m'attarder sur ces deux-là, c'est les intelligences linguistiques et les intelligences logico-mathématiques. Logico-mathématiques, vous êtes censé avoir une certaine maîtrise du sujet, donc voilà. Mais vous savez très bien que dans la société dans laquelle nous vivons, les deux seules intelligences qui sont majoritairement mobilisées sont ces deux intelligences-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que des enfants ou des adultes peuvent avoir des difficultés dans un système d'apprentissage, quel qu'il soit, parce que ces deux intelligences sont moins développées. J'ai bien dit moins développées, j'ai pas dit absentes. Gardner dit, on est avec ces 8 types d'intelligence quand la maman qui est enceinte écoute de la musique, mais il y a progressivement un développement de l'intelligence musicale qui se fait. Quand on tapote du pied, il y a une intelligence kinesthésique qui peut se développer aussi en partie. Et donc il y a toute une série d'activités qui vont faire que progressivement on va développer ces intelligences. Il y a une belle image que Bruno Ours utilise, c'est le bouquet de fleurs. On est avec 8 types de 8 fleurs, 8 types d'intelligence, et puis en fonction de la quantité d'eau que l'on va mettre ou d'engrais, elles vont se développer de manière différente. Donc elles sont là, mais elles ne se développent pas de la même manière. Et ça, c'est réellement quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'enseignement, la société dans laquelle nous vivons, base tout son fonctionnement sur uniquement une petite partie des compétences et des capacités de tout un chacun. Et c'est là déjà le problème. C'est comme si on enlevait 6/8 de votre cerveau. On vous dit, Dieu, si on croit en Dieu, Dieu a inventé le cerveau de l'homme avec 8 types d'intelligence, mais grosso modo, les 3/4 ne servent à rien. Et donc la perspective de Howard Gardner n'est pas de mesurer les intelligences. L'introduction de Lilian par rapport à cette mesure est réellement essentielle. Pourquoi ? Parce qu'on les a toutes les 8. Après, on va avoir des intérêts, des aptitudes, des activités qui vont faire qu'on va les développer plus l'une que l'autre, mais c'est très difficilement mesurable. Mais on peut, d'une certaine manière, pas de manière chiffrable, mais on peut les identifier, on peut déterminer les forces, clairement. Quand on fait une activité, on a une stratégie inconsciente, on va utiliser une certaine porte d'entrée pour résoudre un problème, un défi. Et donc souvent, cette intelligence dominante, elle sera là. Si certains d'entre vous ne sont pas spécialement intéressé ou fan ou compétent au niveau musical, mais sans doute qu'il y a quelque chose qui va rester bloqué, que vous allez peu utiliser. Et donc, les intelligences multiples, l'objectif de Ours, qui a quand même vulgarisé cela au niveau de la France, de la Belgique, etc., c'est de montrer qu'on peut prendre 8 portes différentes pour apprendre, pour se développer, prendre conscience que oui, il y a l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. On sait très bien d'ailleurs que ces deux intelligences sont liées. Apprendre une langue, ne peut-on pas le faire de manière mathématique? Vous avez un exemple formidable, vraiment que j'aime bien, c'est Daniel Tammet, je ne sais pas si certains ont lu ses ouvrages, mais qui a une intelligence clairement logico-mathématique, visio-spatiale entre autres, j'en reparlerai, et qui maîtrise une dizaine de langues, mais tout simplement en prenant une autre porte d'entrée que l'intelligence linguistique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de considérer aujourd'hui que l'on peut avoir sans doute des intelligences un peu moins développées, mais qu'on en a d'autres souvent inconscientes, inexploitées, ou qu'on ne sait pas utiliser, parce qu'on ne nous le demande pas, et qui nous permettraient très bien de réussir et de rééquilibrer. Réussir aujourd'hui, dans notre société, c'est avoir l'intelligence linguistique, logico-mathématique. Et puis, on oublie les autres. Et donc, on a tendance à considérer qu'un apprenant, un adulte incapable, quelqu'un qui n'a pas les deux intelligences qui ont été mises dans le marbre de la société, or que, vous le savez très bien, quelqu'un qui est plutôt réservé, il peut être aussi doué que l'on veut,
intelligent, avec plein de connaissances, plein de réflexions, il serait capable de résoudre n'importe quel type de problème. Si à un moment, il n'est pas dans l'interpersonnel, si à un moment, il ne sait pas communiquer, si à un moment, il ne sait pas travailler en groupe, si à un moment, il ne sait pas mener une discussion, un compromis avec des collaborateurs, il n'arrivera à rien. Lors de mon master en sciences du travail, un de mes professeurs disait, vous savez, on n'engage jamais le numéro 1 dans une entreprise. Parce que le numéro 1 est tellement exceptionnel qu'il s'intègre très difficilement. Donc on préférera le numéro 2. Les intelligences multiples, c'est prendre conscience que si on a des intelligences très dominantes, c'est évidemment bien. Mais si on pêche de l'autre côté dans certaines intelligences, ça va bloquer toute la machine. Et donc, l'idée, l'objectif, le ours, puisque Gardner, qui est un théoricien, un chercheur, c'est de dire qu'on doit développer ces 8 types d'intelligence. Mais pour les développer, il faut prendre conscience qu'elles existent. Et donc, les intelligences sociétales sont des intelligences classiques. Et donc, on ne va pas s'arrêter sur celle-là. On va s'arrêter sur les deux suivantes, que moi j'appelle les intelligences d'action. Alors, les intelligences d'action, elles se divisent en deux, en intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle. Alors, on peut prendre d'autres théoriciens, Goleman, etc., qui parlent d'intelligence émotionnelle. Enfin, on peut prendre toute une série de catégorisations. Je pense que chaque auteur scientifique essaie de mettre son nom sur un concept. C'est le seul moyen de ressortir de ce monde de publicité. Mais ce qui est intéressant, c'est que sans ces intelligences, aujourd'hui, on n'arrive pas à grand-chose. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence de la personne qui se connaît. Et elle est essentielle. Se connaître, c'est quoi? C'est être capable de déterminer ses forces et ses faiblesses. C'est être capable de déterminer ses besoins. Dans une entreprise, dans un milieu professionnel, et même dans sa famille, c'est savoir ce qu'on a besoin. Est-ce que vous êtes tous capables, si vous avez des enfants, une famille nombreuse, d'être tout le temps entouré, ou de temps en temps où vous avez besoin d'un peu de calme, d'être isolé, de pouvoir réfléchir, de faire le point, de vider la soupape, la pression qui était là dans toute la journée. L'intrapersonnel a besoin de solitude à certains moments. Ça ne veut pas dire qu'il est social. Il peut l'être. Voilà. Ça dépend un peu de l'interpersonnel qui va contrebalancer. L'intrapersonnel, c'est une intelligence vraiment la plus intéressante parce que la personne qui sait comment elle fonctionne, qui connaît ses obstacles, ses difficultés, peut-être ses troubles de l'apprentissage, dyscalculie, dyslexie, etc. Mais il peut tout simplement comprendre comment il peut contourner l'obstacle. C'est pas grave d'avoir des difficultés. C'est pas grave de ne pas avoir vraiment développé l'intelligence logico-mathématique. Cependant, il y a des cours de maths, il y a des mathématiques un peu partout, il y a de la logique un peu partout. La question, c'est comment contourne-t-on l'obstacle? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on ne développe pas, en tant qu'adulte ou en tant qu'adolescent, on ne développe pas cette intelligence, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on est confronté à des échecs répétitifs. On n'y arrive pas, on ne sait pas pourquoi, on fait quelques pas en arrière, et on reprend la même stratégie, la même démarche, et on refonce sur le mur. 3 pas en arrière, et on refonce sur le mur. Et pour finir, on se dit quoi? Excusez-moi l'expression, on est con, je suis incapable, je n'y arriverai jamais. Or que pour résoudre une problématique, relever un défi, toutes les stratégies sont bonnes. La seule difficulté qu'on a en tant qu'adulte, c'est qu'on est préformaté. On fonctionne toujours de la même manière. On ne réfléchit plus à notre fonctionnement. Je vous donnerai un petit livre à lire et à étudier. Vous n'allez pas vous poser pendant 36 questions sur comment vous allez faire. Comme vos enfants, si vous en avez, ils ont un travail, ils ont de la géo, de l'histoire à étudier. Ils ne demandent pas, mais quelle stratégie je vais utiliser pour mémoriser plus efficacement ce contenu? Ce serait magnifique s'ils se posaient cette question-là, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne toujours de la même manière. Et d'ailleurs, on ne réalise pas qu'on peut apprendre de manière différente. Parce que pour la plupart d'entre nous, apprendre, mémoriser, acquérir, ça se fait évidemment comme ce soir sur une chaise.
Ce serait quand même plus drôle une conférence où on est tous debout en train de danser. Et moi y compris. Mais est-ce que ce serait permis? Est-ce que vous l'accepteriez? La norme dans une école, c'est quand même bien, ou dans la société, ou dans une entreprise. Une table ronde et on est assis. Et on apprend comme ça. Et on ne peut pas bouger. D'ailleurs, si l'enfant, si l'adulte bouge trop, on va le regarder avec un regard méchant. Et là, à un moment, ça bloque. Je me suis amusé, il y a 3 semaines, à attacher des professeurs de maths à leur chaise. Alors, vous savez, les professeurs de maths, c'est pas les plus sympas, hein, mais bon. Ben, le premier s'est énervé au bout de 5 minutes. Juste pour lui faire prendre conscience qu'on avait tous des besoins. Et les intelligences, c'est ça. Quand vous avez un enfant ou un adulte qui fait 10 heures, 12 heures de sport par semaine, est-ce que vous pensez réellement qu'il n'a développé aucun talent et qu'il peut rester assis sur sa chaise? S'il y a des sportifs dans cette assemblée, est-ce que c'est facile pour vous de rester assis dans ces fauteuils confortables, certes, mais pendant 5 heures, parce que je ne vous ai pas dit la conférence dure 5 heures. Est-ce que c'est réalisable? Bien sûr que non, et pourtant on oblige tout le monde à le faire. J'ai un élève qui me dit, mais je fais 10 heures de hockey. Je suis dans une école où ils font beaucoup de hockey, voire de golf. Vous situez un peu le quartier. Elle me dit, monsieur, c'est impossible de rester. Alors du coup, elle bouge tout le temps à mon cours. Moi, je l'autorise. Mais elle est collée dans tous les autres cours. Ce qui me pose problème, étant donné que je suis son titulaire, son professeur référent. Donc, faire prendre conscience à la société, aux parents, à ses patrons, qu'on a besoin d'autre chose pour fonctionner, qu'on est tous différents et qu'on a tous des potentialités, et ne pas arriver à résoudre une tâche, à répondre à un règlement qui dit on doit fonctionner comme ça, ne veut pas dire qu'on n'est pas capable et qu'on est con. L'intelligence, c'est vraiment autre chose. Parce qu'un jour, j'ai Amandine, elle avait 17 ans, elle me dit, monsieur, votre cours d'histoire, il n'y a rien à faire, j'arrive pas. J'arrive pas à le mémoriser. Cette fille fait de la gymnastique rythmique et sportive. Vous voyez, ce genre de petit ballet avec des mouvements, une coordination, de la musique, un groupe de danseuses et de gymnastes autour d'elle. Et elle était capable de mémoriser une chorégraphie. Je pense que c'est quand même plus dur que mon cours d'histoire. J'ai déjà essayé de mémoriser une chorégraphie, j'y arrive pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a développé des aptitudes à un moment, dans un autre environnement, dans un environnement ludique, où elle arrive à produire quelque chose d'exceptionnel. Le problème, c'est que quand elle rentre chez elle, avec son bulletin, ou quand on rentre du boulot, et qu'on dit qu'on s'est fait enguirlander par le patron, parce qu'il n'était pas content pour ça, on a oublié qu'on était compétent, qu'on a réussi quelque chose de formidable, que tout le monde ne pourrait pas arriver à faire. L'intelligence, elle est multiple, mais elle est souvent ignorée. Il y a souvent des cloisons qui sont mises partout, et on fait croire à un moment à des personnes, à des enfants, qui ne seront jamais capables de réaliser quoi que ce soit. Et puis on en fait des décrocheurs. On en fait des gens, des enfants qui sont blessés. Une estime de soi qui est à 0, voire à moins 20. Comme je disais à Lilian il y a une heure, je travaillais à Brest devant la communauté de Don Bosco qui travaille avec des adolescents en décrochage scolaire. Mais là, ce sont des enfants clairement qui sont en décrochage. Qui sont en décrochage et qui ont une estime de soi à 0. Pourquoi? Parce que le système leur dit vous n'êtes pas capable d'eux. Et donc tout le défi est de leur apprendre autrement. Tout notre défi est de développer nos intelligences et de prendre conscience qu'elles sont là. L'intrapersonnel permet de le faire. Est-ce que vous êtes capable réellement de dire vos qualités, vos forces, comment vous raisonnez, comment vous mémorisez le mieux, dans quel environnement vous êtes le plus efficace? Si certains d'entre vous sont aux études ou ont terminé les études ou ont des enfants aux études universitaires, c'est toute la question de savoir où vous allez étudier, où ils vont étudier, seul, en groupe, dans un environnement où il y a du bruit, sans bruit, en restant assis, en gesticulant,
en gesticulant n'importe comment. Se connaître, c'est être efficace. Et ça, c'est réellement quelque chose d'intéressant. C'est réapprendre l'efficacité, réapprendre le plaisir d'apprendre. Dans le TGV, en venant, je relisais un livre écrit par un Canadien sur les intelligences multiples, il fallait bien m'occuper, et c'était comment intégrer les intelligences multiples dans l'apprentissage. Il disait, mais quand un enfant ou quand un adulte revient du boulot ou de l'école en disant « Je ne sais pas quand j'ai appris aujourd'hui, parce que je me suis tellement amusé, c'est que les intelligences multiples ont fait effet. » Quand l'apprentissage devient inconscient, quand l'organisation devient apprenante, c'est que les intelligences multiples ont œuvré. Quand aujourd'hui, je vous permettrai peut-être dans quelques minutes, ou pas du tout, de faire une activité qui vous correspondrait, qui permettrait de mobiliser une de vos intelligences, et qui permettrait de retrouver un climat zen d'équilibre, de bien-être, de confiance en soi, d'estime de soi, oh, je suis capable d'y arriver. Alors j'y ai pensé, hein. Je me suis dit, tiens, je vais leur faire des origamis pour commencer la conférence. En règle générale, ça énerve toujours quelques-uns. Puis je me suis dit, non, je vais leur faire étudier du polonais. Je suppose qu'il n'y a pas trop de polonais dans l'Assemblée, il y en a peut-être quelques-uns, mais vous inquiétez pas, j'ai du chinois, j'ai d'autres langues possibles, imaginables. C'est très intéressant de se dire à un moment, quand on a quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire, comment procède-t-on? L'intrapersonnel, c'est l'intelligence la plus importante, mais que personne ne développe réellement. D'ailleurs, ce n'est pas prévu. Il faut presque aller chez un psy, un thérapeute, quelqu'un qui a avoir un meilleur ami qui écoute, pour prendre conscience d'eux. Mais si à un moment le système, la société, l'institution vous a cassé, mais personne ne reconstruit, mais c'est comme ça, je suis nul. Il y a même une honte à se glorifier. Est-ce que vous seriez capable ce soir devant tout le monde, on n'est pas chez Alcoolique Anonyme ou chez n'importe quoi, mais de dire bonjour, je m'appelle, je vais prendre Lilian, excuse-moi, bonjour, je m'appelle Lilian et je suis intelligent, un très bon dessinateur, je fais le grand écart facilement, je suis un leader né. Je suis assez drôle, moi, Lilian, je suis vraiment très drôle. On rigole bien de mes petites phrases. Il y a une certaine pudeur qui s'est construite dans la société où on ne se glorifie pas. Et donc on détruit, on casse. Mais comment voulez-vous reconstruire une estime de soi si à un moment on ne répare pas? Les intelligences multiples, c'est un moyen très facile de réparer. Effectivement, je ne suis pas très logico-mathématique. J'avais un cours d'économie du travail il y a quelques mois à l'université. Bon, je travaillais en même temps, je ne comptais pas beaucoup étudier. Hein. Bon, voilà. Je me suis dit, mais comment je vais réussir ce cours? Mais j'ai employé tout simplement une autre intelligence. J'ai employé de l'intelligence que je maîtrise le mieux, qui est toujours de la logique mathématique, mais pas dans le même sens. Je connais le contexte de l'université, j'ai quand même été au cours, j'ai analysé le fonctionnement du prof. J'ai analysé sur quoi il pouvait interroger, j'ai analysé le type de questionnaire. Bref, j'ai passé un quart d'heure à étudier le cours dans l'examen, j'ai étudié juste 5 graphiques sur une centaine de graphiques, il y en a eu 3 dans le questionnaire. J'ai fait ça quasiment dans tous les cours, quel que soit. Parce qu'il y a moyen de retomber sur ses pattes quand on a une capacité d'analyse, ou quand on a une mémoire visuelle. J'ai toujours rien compris à ces graphiques. Par contre, j'ai une bonne mémoire visuelle. La mémoire visio-spatiale, l'intelligence visio-spatiale est quand même une intelligence très intéressante. Elle se développe avec l'art, mais on en reparlera dans quelques minutes. Je voudrais insister sur l'intelligence interpersonnelle maintenant. L'intelligence interpersonnelle, je vais prendre le meilleur exemple. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont essayé de tricher à l'école? Ouais, bon, il y a des menteurs dans l'Assemblée. Vous savez que la tricherie est interdite, et pourtant dans l'entreprise, on appellerait ça de la collaboration. Dans la vie d'adulte, c'est de l'entraide, c'est de l'apprentissage coopératif. On l'encourage.
Mais à l'école, non, c'est interdit, c'est de la tricherie. C'est un même concept avec un nom différent derrière. Or, comme on sait, les études le montrent, que apprendre ensemble est non seulement beaucoup plus agréable, mais beaucoup plus efficace. Il ne faut pas juste le faire comment, n'importe comment. Il ne s'agit pas simplement de former un groupe. Imaginons que vous êtes tous logico-mathématiques. Mais je vous donne une tâche kinesthésique. Si vous êtes peu kinesthésique, la réalisation de la tâche risque d'être dure. Il y a sans doute moyen de limiter les dégâts, mais ce serait quand même bien d'avoir quelques personnes, professeurs d'éducation physique, sportifs ou autres, qui pourraient vous aider à réaliser cette tâche-là. L'intelligence du groupe, c'est l'intelligence de toutes les intelligences qui sont mobilisées ensemble. On fait corps, on se construit un environnement qui va nous permettre d'être efficace. C'est ça qui est porteur aujourd'hui. On est tous en partie procrastinateurs, on remet au lendemain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Mais une fois qu'on est en groupe, la dynamique est tout autre. On est tous parfois bloqués par rapport à une tâche, mais une fois qu'on est en groupe, la dynamique est tout autre. L'interpersonnel, c'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence de l'autre, c'est l'intelligence de l'entraide. Ces deux intelligences intra et inter ne sont pas en opposition. On les a toutes, les 8 fleurs, vous vous souvenez? Alors à des niveaux différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une intelligence interpersonnelle, vous faites sans doute un métier en contact avec les autres, sans doute plus dans le social, dans les hôpitaux, le monde de l'éducation, peut-être policier. L'intelligence interpersonnelle, elle est vraiment bien, mais si vous ne l'avez pas et que vous êtes prof, c'est quand même mal barré. C'est comme un professeur d'éducation physique qui n'aurait pas l'intelligence kinesthésique. Ça pose quand même un peu souci. Et quelqu'un qui a l'intelligence intra, s'il fait un infirmier dans un hôpital, ça pose quand même souci, il est quand même entouré tout le temps de monde. Et donc, c'est l'équilibre. Alors, on parlait au début qu'on ne savait pas les mesurer. Mais d'une certaine manière, si. Dans un moment de crise, quand vous êtes surchargé, que vous n'en pouvez plus, que vous avez l'impression d'avoir la poisse lagging depuis quelque temps, vers quelle activité vous allez vous réfugier? Dans quel environnement vous allez vous réfugier? Nous, la communauté belge, on a trouvé une solution. On va en France, à 800, d'accord, c'est qu'à 2 heures de route de la Belgique. Vous avez des belles plages, et on va là. Donc voilà, on vous envahit un tout petit peu, mais on va soigner notre intra. Mais manque de peau, vu que tous les Belges vont là, il y a trop de monde. Mais bon, ça nous rééquilibre. Mais celui qui s'isole et qui fait de la peinture, il fait quoi? Il fait de l'intra ou de l'inter? À un moment, vous pouvez être inter, je suis inter, on peut l'espérer en tant que conférencier, formateur, enseignant, etc. Et je suis chez les scouts. Ce week-end, j'étais en train de faire l'intendance pour 300 scouts. Mais à un moment, mon intra est beaucoup plus dominant. Ça veut dire qu'être entouré, c'est bien. Mais trop longtemps, ça me saoule. Donc mon intra est clairement dominant. Et ça, c'est réellement important. Ce sont des petits tests comme ça. Alors, on ne sait pas mettre 8 sur 10 et intra numéro 1. Je sais par contre, par déduction, que si je n'arrive pas à prendre soin de mon intra, ben je sais que je vais éclater, je vais piquer une crise, je n'en pourrai plus. Et donc, ce soir, rentrer dans ma chambre tout seul, comme un pauvre, sans amis, ça ne m'embête pas du tout, au contraire, c'est génial. C'est le seul moment où je n'ai pas ma femme, mes enfants, et ainsi de suite, je les adore, où je ne vous ai pas vous, et je vais pouvoir soigner mon intra. Ces deux intelligences, elles sont intéressantes parce que ce sont des intelligences d'action. Comprendre qui je suis, quelles sont mes forces, mes faiblesses, les stratégies que je vais mettre en place pour avancer, pour contourner l'obstacle, et peut-être, dans ces stratégies, mais utiliser l'intelligence interpersonnelle et le groupe. L'apprentissage coopératif. Le e-learning dans les entreprises. Toutes les plateformes de e-learning qui naissent un peu partout, c'est quoi?
Alors on pourrait dire qu'il est derrière son écran, c'est Natra, mais est-ce qu'on est vraiment seul dans derrière son écran? Ça dépend un peu le dispositif, le processus. Moi, mes élèves, en ce moment, sans doute qu'ils sont derrière leur écran, parce que j'aurais donné plein de petites tâches vicieuses. Donc, ils sont en train d'essayer de tricher. Clairement. Ils utilisent sans doute en ce moment Facebook, à leur groupe. À mon avis, ils utilisent un site internet de carte mentale collaboratif. S'ils ont très vite compris que plutôt que faire des synthèses individuellement, c'était mieux de les faire en groupe, c'est quand même moins de travail. Et puis, ils les mettront sur le groupe Facebook quand même. Et puis, ils ont compris maintenant que je comparais les copies. Ça, ils ont compris ça seulement hier. Donc, maintenant, j'ai travaillé ce matin avec eux sur comment ne pas se faire piéger quand même. Mais c'est ça, c'est comment aussi s'approprier. C'est voir quel était leur intérêt de tricher. Quel est l'intérêt de correspondre à un modèle qui est celui de la société qui fait on doit travailler seul. Bon, j'encourage la tricherie, je ne peux pas leur dire, mais je l'encourage, mais de manière intelligente quand même, s'il vous plaît. Donc s'ils s'approprient à un moment, ou s'ils me remettent une autre production, je m'en fous, je suis content. J'ai un petit Égyptien, il ne maîtrise pas très bien la langue, mais je lui dis, mais je ne t'ai pas demandé nécessairement de me répondre par écrit. Évidemment, dans tout travail, on a l'impression que quand on communique, on le fait oralement ou par écrit. Est-ce qu'on ne peut pas montrer autrement qu'on maîtrise un objet? Est-ce qu'on ne peut pas le transmettre autrement? Est-ce que je ne pourrais pas faire une conférence sans dire un mot? Je pourrais juste me contenter peut-être de faire une petite bande dessinée et je pousse en temps. Mon intelligence serait poussée sur la barre d'espace. Et la communication serait là. Après, est-ce que ce serait efficace? C'est encore autre chose. Et puis à côté de cela, troisième catégorie, ce que moi j'appelle les intelligences méthodologiques, les intelligences qui sont liées à des activités extérieures. Pourquoi je dis activités extérieures? Parce que, hélas, ce sont des intelligences qu'on ne retrouve pas, ou très peu, dans nos métiers, dans l'enseignement, dans toutes les formations. Intelligence visio-spatiale et kinesthésique. Et donc on va faire une petite épreuve de danse. Est-ce que ça vous plaît? Oui, il y a madame qui applaudit, merci. Mais il n'y a qu'une personne dans l'assemblée qui applaudit. Deux, merci monsieur par solidarité. D'accord. Une épreuve de danse, ça serait quand même très intéressant. Vous en avez fait sans doute souvent dans votre école, hein, quand vous étiez jeune. Ou dans votre métier, pour vous détendre, pour vous rééquilibrer, pour exprimer les choses, pour mimer les choses, parce que la danse, c'est que du mime en soi. C'est que de la communication d'une série d'émotions, de symboles, de liens entre des informations. Ce n'est que ça. Le kinesthésique, on ne le développe pas. Oui, c'est vrai, on a un cours d'éducation physique, où on fait de l'apprentissage coopératif à travers du foot, du basket, etc. J'ai discuté, il y a de la gymnastique, je sais comment vous fonctionnez en France. Mais il n'y a aucun lien avec les cours, avec l'apprentissage. On considère que les sports, tout ce qui est kinesthésique, c'est un objet d'apprentissage en soi. Mais est-ce qu'on ne peut pas apprendre en bougeant, en faisant des liens avec le mouvement? Comment fonctionne un comédien? Il y a 5 ans, j'ai engagé un ancien élève qui est devenu comédien. Je l'avais collé parce qu'il lisait des revues érotiques pendant mon cours. Il était déjà original à l'époque. Et je lui ai demandé comment il faisait pour apprendre tous ses textes. C'est très intéressant de voir comment un comédien fonctionne. Et il me disait, ben, on avait un cours où tous les auteurs se ressemblaient, et le professeur était très structuré, très logique. Et donc c'est une belle structure identique qui faisait que je mélangeais tout. Et puis il a travaillé sur son émotionnel, il rentrait dans la peau dans chaque personnage. Il a commencé à mimer leurs mouvements, leurs problèmes de dos, leur petite taille, les vêtements étriqués. Et puis il a commencé à pouvoir réciter tout. L'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence du mouvement, mais pas juste tourner dans sa chambre autour d'une table. L'intelligence musicale, on en parlera tantôt, c'est pas juste travailler avec un fond de musique.
c'est établir des liens, des connexions. Pourquoi ? Parce que si on revient à mon exemple de tantôt, de la gymnaste, c'est quand même dur d'associer un mouvement à un rythme, à un moment, dans un morceau musical. C'est pas évident. Et puis se situer par rapport aux autres, sur une surface, c'est encore moins évident. Ça, c'est de l'intelligence musicale. Les associations, être capable de décomposer les rythmes. Et là, ils le font avec plaisir. Et vous, comment travaillez-vous ? Je suis persuadé que si vous travaillez dans un bureau, dans une plateforme ouverte, parce que c'est la mode, où on casse tous les murs et puis on est toute une série sur un espace ouvert, là, vous pouvez travailler en musique. Et ça ne vous gêne pas du tout si votre collègue est en train d'esquisser quelques pas de danse pour se reconcentrer, ou un autre faire un petit graphe sur un mur pour essayer de mieux percevoir la complexité du problème qu'il doit traiter pour la prochaine réunion. Nous, non, restons assis. C'est moins risqué. Les intelligences multiples et les intelligences méthodologiques, pour moi, sont les intelligences les plus belles pour solutionner tous les problèmes, pour permettre à un adulte ou à un enfant, quel que soit son âge, de découvrir qu'il peut fonctionner autrement, réussir, regagner l'estime de soi à travers des activités plus ludiques. Vous avez en France, et à Paris entre autres, une formatrice exceptionnelle en facilitation graphique, en scribing si vous préférez, qui est quand même un mode de schématisation très intéressante, mais qui est coopératif aussi en même temps. Intelligence interpersonnelle, intelligence visio-spatiale, intelligence kinesthésique. On mêle les intelligences. Quand je suis ici en train de faire un exercice, je mêle peu d'intelligence, uniquement l'intelligence de l'activité logico-mathématique, si c'est un cours de maths. Maintenant, quand on est en mouvement, quand on est dans l'apprentissage coopératif, quand on est dans le visio-spatial, quand on fait des gestes inhabituels, vous avez vu le nombre d'intelligences qu'on mobilise ? Vous avez vu la possibilité pour qu'un apprenant puisse se sentir bien ? Oui, bon, kinesthésique, c'est pas trop mon truc, je sais pas vraiment dessiner, j'ai une sale écriture. Par contre, piquer les idées des autres, ça je fais bien. Et j'ai une bonne mémoire de l'image. Ils ont présenté ça comme ça ? Ah, c'est pas con. Je vais le faire. Je vais essayer. Ah, mais lui aussi, il a une seule écriture. Comment il fait ? Et puis, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être debout et puis d'aller voir les productions des autres. Mais pour ça, il faut être ouvert. Dans les entreprises, aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à un gros problème qui est le transfert de connaissances entre les générations. Bibi-boum. Les anciens, et les Y, les trentenaires, qui ont un mode de fonctionnement à première vue différent. Ils seraient nés avec un GSM, un smartphone dans la main, et les autres peut-être avec une machine à écrire. On va un peu caricaturer. Mais le fonctionnement de tout un chacun est le même, c'est qu'il est multiple. Après, il faut juste se coordonner, il faut apprendre à apprendre. Tantôt, je vous ai dit, la théorie des intelligences multiples, j'aime pas ce titre, c'est d'abord un outil. Et donc la perspective, l'idée, c'est bien de dire, apprenons à 6 ans, à 12 ans, à 18 ans, à 50 ans, de développer ces intelligences, de prendre conscience de ces intelligences et apprendre à les utiliser. Prenons l'intelligence logico-mathématique. En dehors du cours de maths, quelle activité avez-vous fait ou vos enfants font, ou vos connaissances, non scolaires, bien sûr, pour développer l'aspect raisonnement. Les jeux d'échecs, effectivement, c'est ça qui va ressortir. Parce que c'est bien connu que le jeu d'échecs est un jeu publicité par énormément de jeunes. En ce moment, d'ailleurs, tous vos enfants, et les enfants de vos amis, et leurs cousins, sont tous en train de jouer aux échecs dans un chouette jeu logico-mathématique, et non pas, comme vous le pensez, être derrière un écran d'ordinateur, en train de chatter ou de jouer un jeu sur Internet. Pardon ? Oui, bien sûr, Tetris. L'intelligence, quelle qu'elle soit, elle peut s'exercer par le jeu, mais pas n'importe comment.
Si à un moment on joue aux échecs, mais qu'on ne réfléchit pas au processus, à la stratégie, ou qu'on n'a pas une vue d'ensemble des coups qui s'enfilent et de ce que ça amène comme conséquence, est-ce qu'il y a réellement apprentissage? Non. En tout cas, il n'est pas efficace. Excusez-moi, ça va plus loin, parce que quand vous êtes en face d'un joueur d'échecs, vous étudiez sa psychologie. Bien sûr. Hein, ce n'est pas simplement faire une stratégie par rapport au jeu, mais c'est par rapport à... Vous voyez, c'est même une analyse qui est plus bien sûr, que vous dites. Bien sûr, mais je ne faisais pas tout un cours sur l'échec. Mais on est bien, effectivement, on est bien d'accord. Mais ce serait déjà pas mal si le joueur lambda faisait la première étape. Et ça, c'est réellement quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez jouer au Scrabble, c'est le même principe. Jeu linguistique, mais vous savez très bien qu'un bon joueur de Scrabble, il travaille par logique, il analyse les comportements du joueur opposé, et puis il bloque, il retient ses lettres, et ainsi de suite. Il y a moyen de faire que de la logique mathématique en étant très peu linguistique, et gagner toutes ses parties. L'apprentissage par les intelligences multiples, c'est apprendre avec plaisir, un apprentissage qui est inconscient. Le visio-spatial, sans doute certains d'entre vous utilisent pas mal la carte mentale, le topogramme, le mind mapping, le schéma heuristique, etc. D'accord, c'est quand même un outil qui est évidemment encore peu présent dans nos écoles. Enfin bon, un jour il apparaîtra réellement. Mais qui l'a fait réellement, qui a déjà réalisé une carte mentale de 20 mètres carrés? Imaginons cette salle sans les fauteuils. Et on devrait faire ensemble une synthèse de toute la conférence, de toutes les informations, de toutes les questions. Je vous donne juste des cordes, quelques stifs et des grandes feuilles. Et puis on se dit, ok, on va essayer de réaliser une carte mentale autrement. Et puis on va prendre du recul par rapport à cette carte mentale. Et puis on va la mémoriser en se déplaçant sur la carte mentale, parce que se déplacer sur la carte mentale que vous avez réalisée sur une feuille A4, c'est pas évident. On va mimer cette carte mentale. On va visualiser cette carte mentale. On va la faire bouger dans sa tête. On va imaginer le petit personnage qui me représente si bien dans ma tête, qui se déplace dans la carte mentale. Et qui me dit, n'oublie pas, cet élément est important. Apprendre à apprendre, pour ça il faut des outils. J'aime bien utiliser l'image que les intelligences multiples, c'est un peu comme un meuble de bibliothèque. C'est un beau meuble. Genre les meubles qu'on a dans les abbayes, les monastères, avec un petit escalier qui permet d'arriver tout en haut. Mais si on ne met pas de livres dedans, ça ne sert pas à grand chose. Ces livres, ce sont tous les outils, toutes les méthodes qui vont faire qu'on peut apprendre plus efficacement, avec plus de plaisir. Comme je disais, mon petit Égyptien, Omar, il peut très bien réaliser ses productions et montrer qu'il maîtrise autrement. Parce que sinon, chaque fois qu'il vient à mon cours, chaque fois qu'il me rend une production, il constate quoi? Que je lui disais, mais Omar, c'est pas bon. Et il m'a montré un texte sur les 10 lignes, il y avait une trentaine de fautes d'orthographe, et je ne vous parle pas encore du sens. Le sens, manifestement, il avait compris. C'était sans doute même une des meilleures copies. Mais il avait la difficulté de l'exprimer. Sans doute que dans sa langue maternelle, il a une intelligence linguistique, mais sans doute pas dans l'intelligence linguistique qui est utilisée dans notre enseignement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit Omar, s'il n'arrive pas à progresser dans la maîtrise de la langue, qu'est-ce qu'il va penser dans sa tête? Qu'il est capable? Qu'il est intelligent? Qu'il va réussir? Ah, qu'est-ce que c'est agréable pour lui de devoir travailler des heures et des heures pour espérer résoudre ce problème de langue. Et se dire peut-être qu'il n'y arrivera pas, ou pas tout de suite en tout cas, parce qu'il cumule encore les échecs. Et à un moment, il baissera les bras. Et puis on s'étonne de la démotivation des enfants, des ados ou des adultes. Quand on vous donne une tâche à faire, pourquoi vous ne la faites pas? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous rebute? Qu'est-ce qui la rendrait plus agréable? Je suppose qu'on aime tous repasser dans cette salle. Oui? Chaque fois que je pose des questions, il n'y a personne qui aime. Hein. La danse ne rencontre pas succès, leur passage non plus. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui pourrait permettre de passer un bon moment en repassant des chemises, parce qu'il n'y a rien de mieux que les chemises. Les chemises des hommes, hein. En tout cas, si c'est les grandes chemises.
et ça c'est quand même intéressant, si on se regroupait entre amis, et on pourrait faire la causette comme ça, est-ce que ce serait plus intéressant? Si en même temps on avait un petit fond musical, si on a un petit fond musical, et qu'on peut esquisser quelques pas de danse en même temps, si en même temps on peut faire autre chose, peut-être que c'est ça qui rend l'activité plus intéressante. Il y a quelques jours, j'ai aidé une de mes élèves qui a un problème de méthode, et elle me dit « Vous connaissez ma tante, monsieur ?» Sa tante est formatrice, et j'ai suivi une formation en neurosciences avec elle pendant un an. Et moi, je ne peux pas m'empêcher en formation de faire autre chose en même temps. Sinon, je m'embête et je décroche. Et donc, elle m'a dit de vous enguirlander, parce que c'est quand même pas bien de faire autre chose en même temps. Et donc, ça m'a fait rire. Et donc, je l'ai contacté le soir, en lui disant... Tu devrais apprendre à ta nièce qu'on peut être efficace en faisant plusieurs choses en même temps et que moi j'étais plutôt efficace dans ta formation. Le monde il est fermé à une certaine conception. On dit souvent, je sais pas si la blague circule chez vous, mais moi j'y crois pas, que les femmes sont multitâches et que les hommes sont monotâches. Bon, j'ai un doute par rapport à ça. Mais en l'occurrence, on fait souvent une chose en même, une chose unique. Et donc leur passage n'est pas plaisant, mais ne pourrait-on pas faire autre chose en même temps que leur passage qui nous rendrait le moment beaucoup plus agréable? Et toute la question des intelligences est là. C'est-à-dire, mobilisons plusieurs intelligences en même temps, appuyons-nous sur nos forces, faisons des choses que l'on aime, faisons des choses que l'on sait que l'on va réussir, donnons-nous du plaisir, donnons-nous du résultat, et décollons. Dès que l'on contournons les obstacles, mais autrement, ouvrons-nous à un autre fonctionnement. Questionnons-nous sur comment on peut agir autrement. Vous allez sortir de cette salle tantôt en vous disant « il y a toute une série de choses que je n'aime pas dans ma vie » ou « à faire ». Questionnez-vous sur comment vous allez pouvoir faire le ménage de manière beaucoup plus agréable ou l'administration. Et nous, on a le fisc pour le moment qui nous embête un tout petit peu. Je suppose comme vous, les déclarations fiscales, ce n'est pas le premier hobby. Bon, voilà. Comment peut-on rendre une déclaration fiscale un peu plus intéressante? Première stratégie, en la refilant à quelqu'un. Je suis interpersonnel, et moi, systématiquement, je contacte quelqu'un qui habite de l'autre côté de la Belgique, qui dit, ce serait quand même bien qu'on se voit. Et puis, je lui amène en même temps ma déclaration fiscale en sortant un bon verre de bière, en règle générale. Ça aide. On fait de l'interpersonnel. Moi, je fais semblant de ne pas comprendre et d'avoir cherché pendant des heures. Lui, il me dit, mais c'est simple, parce qu'il a envie de renouer. Il est interpersonnel aussi. Et de dire, mais de prendre des nouvelles de moi. Donc, il bug vite ma déclaration fiscale, mais elle est parfaite. Comme ça, en même temps, je n'ai pas dû payer. Voilà un premier exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc, on va devoir avancer dans notre conception que apprendre, c'est se poser des questions. C'est vraiment s'arrêter et se dire comment je vais fonctionner, comment je vais rendre ma vie plus belle. Et pour tout un chacun, dans n'importe quel métier, dans tout ce que vous rebutez, c'est uniquement question de ça. C'est pas souvent un problème d'orientation de métier, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui nous dérange, et dans tout métier, il y a des facettes qui nous dérangent, mais on ne s'est pas questionné sur comment on peut embellir ces tâches ou ces moments-là. Parce que même un collègue désagréable, embêtant, pour ne pas employer un autre mot, qui nous colle tout le temps, qui nous exploite peut-être, ou qui nous empêche de travailler parce qu'il radote, est-ce qu'on pourrait pas régler le problème autrement? Si. Et puis vous avez les intelligences environnementales, de détente. Je les ai un peu cités tantôt, j'ai fait allusion à l'intelligence musicale et à l'intelligence naturaliste. Musicale, je vous ai dit, c'est pas uniquement travailler en musique, c'est l'aspect rythme. Mais vous savez très bien que derrière la musique, il y a la logique. Et souvent, les plus grands musiciens ont souvent une intelligence logico-mathématique. C'est pas pour ça que tous les ceux qui ont une intelligence logico-mathématique sont de grands musiciens. Mais bon, il y a quand même des liens. C'est comme un visio-spatial, on peut imaginer qu'il est un peu kinesthésique. Il y a un lien. Je veux dire que si vous n'avez pas la maîtrise de votre mouvement, est-ce que vous pouvez être un artiste?
sauf si vous peignez de l'art abstrait, peut-être. Quoique. L'intelligence musicale et l'intelligence naturaliste. L'intelligence naturaliste, c'est l'intelligence de l'environnement, mais de la nature, du bien-être, de la faune, de la flore, de la catégorisation. Ce sont des gens qui ont besoin de catégoriser. C'est un peu pénible d'aller se promener avec eux, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, surtout le parcours, de dire, tiens, ça c'est telle espèce de plant, ça c'est telle catégorie, et regarde la petite différence. Et ils nous font tout un cours de botanique pendant une promenade qui devait être un moment relaxant. Très intéressant en demeurant, mais quelqu'un qui a l'intelligence naturaliste cherche d'abord à se détendre, à apprécier, à observer le paysage, sans doute qu'il développe une intelligence visio-spatiale en même temps. Les 8 types d'intelligence, c'est un bon bouquet d'activités. On en développe à l'école, pas à l'école, à travers certaines activités. Et parfois, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les développer. Tu vas faire de la musique, on t'inscrit dans plein de cours de musique, et puis on ne pense pas à toutes les autres intelligences à développer. J'ai essayé de suivre il y a 4 ans des cours de kendo. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Les cours de kendo, c'est j'ai choisi ça pour la tenue. C'est une tenue vraiment un peu comme de samouraï, un beau bleu, avec c'est les casques avec les grilles et un sabre en bambou. Je trouvais ça très chouette, très saillant. Je n'avais pas réalisé que le maître allait me parler en japonais, ce qui me posait quelques problèmes. Qu'il fallait avoir quand même un peu de coordination, ce qui me posait encore plus de problèmes. Que j'avais des difficultés de concentration et quand vous avez une vingtaine de gars, voire de femmes, qui se courent l'un vers l'autre en criant avec leur sabre, c'était impossible pour moi d'entendre les ordres du maître et de mémoriser la chorégraphie qu'il faisait, où je ne voyais que les bouts de ses pieds en toute sa tunique. Donc la question, c'était comment apprendre le kendo autrement. J'ai filmé, j'ai décomposé, j'ai fait une bande dessinée, très schématique, hein, c'était pas une œuvre, mais j'y suis arrivé. Une fois que j'y suis arrivé, j'ai changé d'activité, j'ai essayé de le djembé. Le djembé, tradition orale. Alors, vous regardez votre professeur. Moi, je suis gaucher. Miroir inversé. Encore plus compliqué. Et c'est ça qui est intéressant. C'est d'apprendre à n'importe qui, ou vous, de se dire comment je peux faire. De prendre des défis et de se dire, c'est clair que si j'avais l'intelligence musicale ou kinesthésique, j'aurais plus facile en djembé, j'aurais plus facile en ça. Mais si je ne les ai pas, quelle stratégie je vais utiliser? Parce que j'ai des forces. Alors depuis tantôt, je vous ai dit force, 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 force. Et puis les faiblesses. C'est intéressant de se dire. La théorie de Howard Gardner et la vision de Ours, c'est dire à un moment, les intelligences plus faibles, il faut les cultiver aussi. Il faut les arroser, il faut mettre l'engrais. Surtout si elles sont vraiment hyper importantes dans notre société. La linguistique et logico, on les a pas. On sait très bien que quelqu'un qui est analphabète, quelles que soient les raisons, il a des difficultés dans le monde d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il ne sait pas remplir les formulaires, il ne sait pas répondre à des questions, il ne sait rien faire. Donc, on peut lui apprendre à utiliser une autre intelligence pour répondre à la problématique. On peut l'aider aussi à développer ses zones d'intelligence. Et comment? Avec de l'apprentissage coopératif. Avec de l'apprentissage ludique. Avec du jeu. Et c'est ça qui est beau dans les intelligences multiples. C'est un, prendre conscience qu'on est riche, qu'on est différent, qu'on a une multitude de stratégies de fonctionnement. J'ai une élève, elle avait à l'époque 15 ans, maintenant elle en a 24. Elle avait déjà raté un an, elle ratait clairement son année de nouveau. Et ses deux grandes sœurs avaient fait une médecine, et l'autre faisait avocate. Plutôt brillante, en d'autres mots. Cette élève m'énervait parce qu'elle était tout le temps en retard à mon cours. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'elle s'arrêtait auprès de tous les élèves qui n'y allaient pas bien, que je suivais d'une manière ou d'une autre. Elle avait clairement une intelligence du cœur, une intelligence émotionnelle, une intelligence interpersonnelle. Elle était capable de détecter, même chez des personnes qu'elle ne connaissait pas, « Toi, il y a un truc qui ne va pas. » Et elle s'y arrêtait. Et donc, elle était en retard à mon cours. Bon, cet élève, je l'ai profilé. Alors, profilé, ça veut dire « mesure ». Mais pas mesure chiffrée, effectivement. Je lui ai fait prendre conscience, en tout cas, de son intelligence interpersonnelle. Et cet élève,
en dehors du fait qu'elle fait des études d'infirmière aujourd'hui, qu'elle est, depuis ses 17 ans, elle est bénévole chez les pompiers. Alors, pour être bénévole chez les pompiers, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais chez nous, le premier test d'entrée, c'est d'être capable de mémoriser tout le plan de la ville, de la capitale en l'occurrence. Parce qu'il faut prendre le trajet le plus court en cas d'incident. Alors, je n'ai pas très bien compris, parce que maintenant, on a un GPS, mais enfin, bon. Cette fille est capable de vous dire, pour aller là, vous allez là, par là, par là, par là, par là, par là. Si ce n'est pas une capacité de mémorisation, je me demande ce que c'est. Cet élève qui ratait chez nous, qui ne savait pas mémoriser, elle était capable de mémoriser tout un plan de Bruxelles dans l'espace et de vous dire, mais c'est ça, monsieur. Elle était capable de redessiner tout le plan. Mais parce qu'il y avait un enjeu. Alors qu'on analyse un peu la situation, c'est ça qu'un adressant, son père est médecin. Il était plus spécialement ambulancier. Il y avait déjà une dimension intéressante. Conflit entre les parents, mère alcoolique, une petite sœur. Elle s'occupait énormément de sa petite sœur. Parce que le père souvent absent au travail, la mère dans un état... Et donc on peut se dire que clairement cet élève a développé une intelligence interpersonnelle, encore plus tournée vers l'autre, une intelligence du cœur, et qu'elle a oublié de penser à elle. Elle a oublié de soigner son intra. Donc, que fallait-il faire pour l'aider tout simplement? Lui faire prendre conscience de ses autres intelligences, lui apprendre à écouter son intra, à développer son intra, et tout a été réglé. Aujourd'hui, elle termine ses études d'infirmière, je peux vous dire qu'il n'y a aucun souci. C'était une élève qui était considérée comme bête, incapable. Elle était en échec partout. C'est la beauté des intelligences multiples. C'est que quand vous prenez conscience des autres intelligences, quand vous savez les utiliser, quand vous savez les développer, vous pouvez très bien montrer que vous êtes très compétent, très capable, très intelligent. C'est très simple. Et alors là, l'estime de soi, elle est vraiment géniale. Prendre conscience de sa richesse et prendre conscience que... Mais non, elle n'était pas bête par rapport à ses deux grandes sœurs qui avaient fait médecine et avocate. Elle était différente. Si vous avez des frères ou des sœurs ou des enfants, plusieurs enfants qui ont un âge certain, mais ils n'ont pas nécessairement les mêmes intelligences, parce qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement fait les mêmes activités. Alors si vous me dites qu'ils ont eu la même éducation, j'ai quand même un gros doute, même dans le cas de jumeaux. Et puis on évolue. Est-ce que l'aîné a été traité de la même manière que le petit dernier chouchouté? Non. On l'a sans doute, au petit dernier, pu faire plein d'activités différentes. Et à côté de tout ça, à côté de ces 8 types d'intelligence, il y a vraiment la question d'apprendre autrement. Et de dire aujourd'hui, est-ce qu'on en est encore obligé de faire une conférence? Alors, je remercie évidemment d'avoir été invité, c'est pas ça la question. Mais on aurait pu agir autrement. J'aurais pu commencer par une activité. J'aurais pu vous donner un petit bout de papier pour vous permettre de noter vos questions pour tantôt. J'aurais pu faire des petits travaux de groupe, même dans un auditoire. C'est pas... On pourrait imaginer d'interrompre la conférence tous les 10 minutes avec une petite activité, vu que le temps de concentration d'un adulte qui n'a pas de problème, c'est 12 minutes. Ça veut dire que vous avez décroché depuis longtemps. C'est quand même assez absurde. On sait que c'est 12 minutes et on fait rester une heure ici. Et vos enfants, 7 heures ou 8 heures de cours. Et vous, peut-être 3 ou 4 heures de réunion d'affilée. Comme si on écoutait encore. Bon. Apprendre autrement. C'est donc développer la capacité d'introspection. Et c'est surtout aussi développer la créativité. La créativité, c'est bien la capacité de voir un problème sous un autre jour. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire, ok, quelles sont les autres possibilités d'agir? Quelles sont les autres possibilités de produire? C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Développer la créativité, comme l'intra, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, et pourtant c'est la première chose à faire. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite qui montre qu'au fur et à mesure que l'on grandit, la créativité diminue. À croire qu'on est préformaté par la société, par le système scolaire.
Or que dans la société dans laquelle nous sommes, dans le milieu du travail, être créatif, c'est quand même être capable de résoudre pas mal de problèmes. Plaisir, force, c'est essentiel. Parce que si on a du plaisir, on répond à la problématique de la motivation. Et les intelligences multiples, c'est être capable d'être justement, d'être motivé. On n'a plus ce problème de démotivation. Parce qu'on fait des choses qui nous plaisent, des choses qu'on est sûr de réussir, des choses où on est sûr d'avoir... « Waouh, c'est génial, t'as fait ça comment ?» Et à côté de cela, on va développer une estime de soi, on va apprendre à apprendre, on va travailler, on va réfléchir sur son orientation, connaître ses intelligences multiples, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est savoir quel type de métier on va faire, c'est se développer des compétences, c'est être souple, c'est ne pas avoir peur du lendemain, c'est savoir si on est fait pour quelque chose où on est fort, et pas par second choix. Je suis nul en maths, donc je ne fais pas ingénieur. Pourquoi pas? Ne peut-on pas réussir des études d'ingénieur sans avoir vraiment l'intelligence logique et mathématique la plus développée? Et ce qui est essentiel, pour conclure, c'est le développement personnel. C'est que tout ça va permettre à chacun de nos enfants, chacun d'entre vous, de se développer, de s'épanouir et de voir que leur intelligence, elle est multiple, elle est source de réussite, elle est source de souplesse, elle est source de créativité et c'est ça le plus important. Merci beaucoup.